Le ministère de la Communication, en partenariat avec l'UNICEF, a lancé ce matin à la Bibliothèque nationale un atelier de formation des attachés de presse et directeurs de communication des ministères clés sur la promotion des droits de l'enfant. Détail, Ibrahim Abdoulaye Ouartougou. Les attachés de presse et les directeurs de communication sont les plus proches collaborateurs des ministres et des autorités des grandes institutions de la République. C'est à ce titre que le ministère de la Communication, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Tchad, UNICEF, entend former par le biais de cet atelier 30 attachés de presse et directeurs de communication pour faire des plaidoyers afin de défendre et protéger les droits des enfants. Les chargés de communication et engagement des jeunes de l'UNICEF, Ange Aéac, souligne les défis de l'ère qui mettent à mal le bien-être de l'enfant. 57% des enfants en âge d'aller à l'école primaire ne sont pas scolarisés au Tchad. 74% des enfants de moins de 5 ans n'ont pas d'acte de naissance. À ces chiffres s'ajoutent de multiples défis en matière de santé, de protection, d'hygiène, assainissement, ceci couplé à des catastrophes naturelles telles que les inondations que nous vivons, le changement climatique. Tous ces éléments risquent de compromettre l'avenir de l'enfant au Tchad. Votre contribution aux efforts de plaidoyer, de communication et de mobilisation des ressources n'est point à négliger. Pendant 2 jours de partage, de connaissances et d'échanges, ces attachés de presse et directeurs de communication auront à passer en revue la situation des enfants au Tchad, le cadre légal et juridique qui permettent de protéger ces enfants et d'avoir un aperçu sur les thématiques prioritaires de l'UNICEF sur la promotion des droits des enfants.